Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble avec cette petite BM M3 E30 Groupa de 1986. Donc, elle est donnée pour 280 chevaux, si je m'en rappelle bien, pour un poids de moins d'une tonne, 945 kg. Et pour une vitesse de pointe d'un peu plus de 280 km/h. Alors je l'ai testée, elle est vraiment très 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 agréable à jouer. C'est pour ça que je vous la présente. On est sur Ella Canyon. Voilà, c'est une route que j'ai trouvée qui est vraiment très sympathique. On est en multi. Donc j'espère que voilà qu'on verra quand même un ou deux joueurs ou trois ou quatre ou une dizaine se balader un petit peu, mais c'est pas tellement ça, c'est la présentation du véhicule qui va surtout nous intéresser. À savoir que tous les véhicules que je vous présente, mesdemoiselles, messieurs et mesdames, c'est des véhicules qui sont à 100% conduisibles. Vous allez vous amuser, vous allez avoir de bonnes sensations avec ces véhicules-là. Je vous présenterai pas des véhicules de daube, parce que j'ai envie de dire ça, je suis désolé, mais il y en a. Il y en a énormément, on sait qu'il y a zéro tenue de route, voilà, c'est des genres de véhicules que je sors. Voilà, vous avez de très beaux skins, mais au final, la voiture, vous avez soit un bruit de tracteur, soit... Voilà. Soit vous avez une perte d'adhérence à chaque virage, voilà, c'est inconduisible. Celle-là, elle est vraiment super, super, super chouette. Alors, dedans, on a notre petite cockpit. Hein. On n'a pas la jauge d'essence. Alors, je vous présenterai une voiture. Je vous dis pas la marque parce que ce sera une surprise. Un super, super mode où c'est que... tous les manos à l'intérieur sont fonctionnels. Il y a eu un travail énorme. On voit même les ventilations, les hélices de la ventilation intérieure du chauffage qui tourne. C'est ouf. Les jauges d'essence qui marchent. Le compteur kilométrique qui marche. Qui enregistre à temps réel vos kilomètres. Et qui les garde. Donc voilà, je vous la présenterai. Je l'ai trouvé hier en fait, et c'est vrai que voilà, je suis tombé amoureux de cette voiture. Et tenue de route, elle est ouf. Allez, nous on va aller, on va aller faire un petit tour. Hein. Avec cette petite BM qui est vraiment super, super chouette. Alors on va commencer gentiment. Alors je suis désolé les amis si je vous ai pas fait de vidéo avant. C'est que voilà, je suis resté 10 jours sans connexion. J'ai eu des gros problèmes au niveau de la ligne. En fait j'ai perdu carrément la connexion. Et le problème se trouvait sur 40 mètres plus loin de chez moi sous une plaque d'égout. Ça a été réparé et c'est rentré dans l'ordre. Donc je vais pouvoir vous représenter des voitures. On ira sur un petit peu sur d'autres jeux aussi de caisse. Alors au niveau tenue de route, elle est vraiment super chouette quoi. La sonorisation moteur, rien à redire. C'est le genre de mode que j'adore pour la simple raison que il y a un travail de fou qui est fait quoi, sur ces voitures. Voilà, on se fait un petit tour histoire de se mettre un petit peu en condition et de vous montrer un petit peu
de se balader aussi, hein, parce que voilà, je fais pas que rouler à 280 km/h, j'adore me balader. J'ai un tas de voitures à vous présenter. C'est vrai que je sais pas à combien j'en ai dans la bibliothèque, mais c'est un truc de malade. Elle est vraiment, vraiment très, très saine. La voiture, c'est... Alors, on va commencer à attaquer un petit peu, vous allez voir que... Même dans les virages, vous perdez... on perd un petit peu l'adhérence, mais on la rattrape aisément. Vous voyez, elle est vraiment très bien. Attention au freinage. Voilà, là, c'est moi qui ai déconné. J'avais oublié qu'elle aimait pas les freinages secs. Donc allez-y mollo au freinage les amis. Sinon vous allez partir en bas. Vous voyez comment elle part du cul avec le freinage. Donc il vaut mieux éviter de se faire surprendre. Là c'est encore moins un chien. Tout simplement pas chaud. Il a vraiment un très très bon ressenti. Après je connais pas encore bien bien la route parce que ben, je l'ai pas tellement sillonné au final. Là, on va tourner ici. Parce que là on a 4 voies un peu plus loin. On va peut-être essayer de pas trop rouler à gauche. Hein. 3 ou 4 voies, ouais c'est 3 voies. Là on va pouvoir envoyer un petit peu. Elle est vraiment très très agréable. Hop, par un peu, on rattrape. Pour vous dire, j'ai même pas fait le circuit en entier encore. Oh, le circuit, la route. Avec coup de frein sec. Faut que je règle peut-être un petit peu le freinage. Pardon, vous avez rien vu. Histoire encore. Je mette pas ces grands coups de frein. Non mais vraiment, il n'y a vraiment rien à redire. On a vraiment de super super sensations. Oups. Pardon.
Alors j'aime bien ce circuit parce qu'il est vraiment sinueux. Cette route. Ah, il faut que j'arrête de dire ça. Alors, je tiens à spécifier que je n'ai pas d'ABS, parce qu'en 86, on n'avait pas d'ABS. Hein. Donc, j'ai sorti l'ABS pour une plus grande immersion. Contrôle de traction, c'est pareil, on n'a pas de contrôle de traction. C'est pour ça que je fais pas le fou non plus, parce que j'ai fait de partir. Et c'est pour ça que quand je freine, je pars dans les... je fais des tout droits. Parce que j'ai pas la baisse. Mais là on commence à avoir les pneus chauds, donc là ça va beaucoup. On va pouvoir attaquer un peu plus dans la limite de la sécurité, toujours pareil, parce que j'ai pas envie de repartir au stand. On va arriver à faire le tour, hein. Ça glisse. Mais vous avez quand même une glisse saine en fait. Évitez les grands coups de frein. Conduisez pas en kart. Ah, j'aime bien ce passage, c'est joli. Ça c'est dangereux ce que je vais faire, je vais éviter de doubler là. Alors c'est pour ça qu'en solo j'aime bien mettre les dégâts. Parce que on n'a pas droit à l'erreur en fait. Quand on met les dégâts en solo, on fait trois fois plus d'attention. Alors je les ai sortis plusieurs fois pour essayer en solo et en fait... On a l'impression de... je conduis des fois un peu comme un con, quoi, parce que je sais qu'au final, je risque rien. Donc, je les remets à chaque fois. Et ça permet aussi, quand vous êtes dans le multi, vous avez toujours cette... Vous avez toujours dans la tête cette image de dégâts, en fait. Hein, que si vous tapez, vous retournez au point de départ. Et ça aide vachement. Alors peut-être mettre une petite pointe là. Alors est-ce que il fallait que j'aille tout droit ou tourner, je sais pas. Non, c'est bon, je peux aller tout droit. Je voudrais pas m'arriver à la fin du circuit. Ah ben oui. On va faire demi-tour, hein, à la fin du circuit là.
faire demi-tour ici. Donc il fallait tourner à gauche. Allez. Non, je vous mettrai le les liens. Voilà, on va essayer d'attaquer un petit peu. Comme là, on est bien chaud, on a les pneus bien chauds. En restant bien à droite, hein, surtout. Non, vraiment, elle est chouette. Alors vous accrochez les Porsche avec, hein. Et c'est pas des blagues, j'ai accroché une 911 hier. Mais pour ça, il faut avoir les pneus bien chauds, vous voyez. Avant, au départ, j'ai fait que partir. Et là, au final, elle va super, super bien. Une fois qu'elle tourne, hop, 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 hop. Il faut vraiment, vraiment l'essayer. C'est dangereux ce que je fais. Allez, un petit 3 voies. Peut-être un petit peu la pousser. De ça. Là, il faut que je coupe. Alors on va essayer de prendre un petit peu de risque, les amis. Il était à gauche lui, hein. Ou alors c'est moi qui ai mal vu. Ça c'est pas bon, hein, ce que je fais là. Aucune visibilité, je double. Bon, après ça va, le trafic est bien fluide. On n'a pas 10 000 voitures. Là, il est bien, il a été bien posé le trafic.
Ah, le véhicule, vraiment, il est très très bien équilibré, quoi. Par contre, il faut vraiment pas que je me fasse surprendre. Il faut vraiment anticiper. Parce que... Putain, ça... Il faut vraiment anticiper tout. Parce qu'en fait, on n'a pas le droit à freiner au dernier moment. Parce que vous allez partir en tête à queue. Alors, je vous la conseille, hein. Vous l'aurez. Je vous mettrai le lien du circuit. Et je vous mettrai aussi le lien de la voiture. Oh là 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 là! Là, c'est moi. Vous avez rien vu, les amis. Hein. Par où je vais? Je sais pas, il y a une route qui monte là. Todeil, il avait écrit quelque chose. Écrit quoi? Faire danger Todeil. Ah ok. Voyons, on va y aller. On va passer par là. On visite en même temps. Hein. Moi j'aime bien quand il y a écrit. Là c'est moi. Voilà. J'aime bien quand il y a écrit danger. Dès que je fais pas attention, ça pardonne pas. Là en solo, je serais reparti au stand. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est du virage de merde. Bon, c'est amusant, j'adore ça. Parce que là en fait, on va pouvoir bien la faire glisser. Ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Après, il faut dire que j'écrase aussi. C'est un virage de merde. Ça part, là aussi. Là c'est sympa là, parce que on la rattrape. Vous n'avez rien vu les amis. À chaque fois que je tape, vous avez rien. Hop, ça part, ça part. Ouais, c'est vraiment cool là. Ça part, vous rétrogradez, vous contrebraquez et ça passe quoi. Alors, il faut dire que je l'aménage pas là. Bon, là, je vais éviter de doubler un peu le mirage. Thank you.
Ah ben voilà. On est revenu au point de départ. Alors ça, c'est un des tracés que j'ai fait aussi. Ah ben il y a un joueur là. Ah, je suis pas sûr, hein. Non, c'est un PNJ qui est venu me voir. Et nous, on va s'arrêter là, les amis. Je vais faire demi-tour pour repartir au parking garé. Ici. Allez, c'est passé. Ah, moi je me lasse pas hein, vraiment de la conduire. Voilà, ça lit. C'est les PNJ en fait qui viennent faire demi-tour ici. Bon, mais voilà les amis. Hein. Alors, on va faire un petit peu le tour de la voiture. Vite fait, hop. Tac. L'arrière. Tableau de bord. Elle est vraiment réussie. Hein. Après les manos, voilà, ils sont pas fonctionnels. Dommage. Bon ben voilà les amis. Hein. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Hop, moi je vais faire juste ça. Tac. Tac. Et je vous dis à très très bientôt les amis, et sachez une chose, c'est que vous êtes les meilleurs, à tout de suite.